بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. Souvent, suite à des déceptions, à des désillusions, on tombe dans un piège de Shaytan qui fait que toute notre vie est fonction de cette désillusion. Par exemple, j'ai déjà eu l'histoire d'une famille que le père, qui s'est marié une première fois, avec une madame, une dame égarée, wa'iyadu billah, qui avait fait beaucoup de choses mauvaises, très mauvaises, et qui est parti et qui l'a quitté. Cet homme, subhanallah, au lieu de remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il l'a finalement débarrassé d'une femme qui ne le mérite pas et qui est une femme égarée, et de se rappeler toujours que « Inna Allaha ma'a sabrin » que dans le verset Allah dit « Wasta'inu bis sabri wa salah » Allah nous dit, demandez secours à sabr, la patience et la salah. Il nous rappelle que Allah est avec ceux, avec les endurants. Et là, quand il s'est marié une deuxième fois, il a voulu se venger sur sa deuxième femme. Et il a gardé à l'esprit la mauvaise expérience qu'elle a eue avec sa première femme. Donc toute une famille a souffert de sa méchanceté, de son injustice, et des ravages qu'il a fait subir à sa famille entière, sa femme et ses enfants. Je reçois en ce moment pas mal d'attaques d'un frère qui n'arrête pas d'attaquer. Donc lui, ce frère, il a une haine viscérale contre ce qu'on appelle les beurettes. Donc pour quelques-uns, les beurettes, c'est les filles d'origine arabe ou musulmane qui font des choses que même Shaitan ne fait pas. C'est vrai, une partie de nos sœurs, malheureusement, qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui n'ont rien à voir avec l'honneur des anciens arabes, parce que même les anciens arabes avant l'avènement de l'islam avaient un certain honneur, un certain sens de l'honneur. Donc c'est vrai que nous avons des sœurs actuellement qui font des choses que Shaitan lui-même ne fait pas. C'est eux, c'est elles qui remplissent les boîtes de nuit. C'est elles qui envoient des vidéos sur YouTube où elles dansent, où elles se mettent nues, où elles fument, où elles boivent de l'alcool. Et ça, ce n'est pas que dans la France, c'est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, même arabes ou musulmans. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Donc ce frère, puisqu'elle a développé cette haine viscérale et qui est sûrement et obligatoirement d'origine arabe, même d'origine maghrébine, maintenant elle a développé une haine viscérale contre tout ce qui est beurette, même si j'aime pas le mot beurette, ces surnoms-là je les aime pas beaucoup. Et j'avais déjà fait personnellement une vidéo ou quelques vidéos de quelqu'un qui a aussi cette haine viscérale contre les beurettes, qui m'avait envoyé un long message sur les beurettes, sur ce qu'il appelle les beurettes, où il décrit, subhanallah, ce qu'elles font. Donc, c'est pas comme ça. Ce sont des systèmes tordus de pensée. Le khair est dans la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le bien est dans cette umma. Quelles que soient les expériences que tu vis, par exemple, j'ai eu un problème avec un portugais, supposons. Première fois avec un portugais, une deuxième fois avec un second portugais, une troisième fois avec un
croise un Portugais, si je pense juste derrière que tous les Portugais sont des gens méchants, mauvais, c'est que je n'ai rien compris dans le monde. Comme disait ma tante, elle répétait souvent un proverbe, « Nas tourbun wa hajar ». Ça veut dire, dans les gens, il y a le bien, il y a le mal, quel que soit leur pays, quelle que soit leur origine. Donc ce n'est pas parce que j'ai vécu une mauvaise expérience avec quelqu'un que je dois mettre des lunettes noires et de haine, où je juge tout par rapport à ma mauvaise expérience avec quelqu'un. Le bien est là, et je dois essayer de le trouver d'abord en moi, je dois essayer de le développer en moi, et je dois toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que je prends comme bien et pour ce que je prends comme mal. Le qadar, le destin, il se divise en quatre. Les savants le divisent en quatre. En quatre parties, en quatre types, subhanallah. Deux parties sont pour le musulman. Le fameux hadith que toutes les affaires de le musulman, ajab al-di amr al-musulman, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit ajaban. Ajaban, c'est pour l'étonnement, pour exprimer l'étonnement. Inna amrahu kulluhu khayr. Tout ce qui lui arrive est un bien. Il le prend pour un bien. Idha asabathu sarra'u shaka. Quand quelque chose de bien le touche, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que c'est une grande ni'ma quand Allah subhanahu wa ta'ala t'indique, te montre, te permet de le remercier, de faire ses louanges. Déjà celle-là c'est une ni'ma. An Allah yuwaffiqak li an tashkurahu wa tahmadahu. Et quand wa idha asabathu sarra'u, idha asabathu sarra'u shakar, wa idha asabathu darra'u sabar. Et quand un problème, un malheur et quelque chose de pas bien le touche, sabar, il endure, il patiente. Et cette affaire-là, cette chose-là, ces deux cas, cette caractéristique-là, le seul qui l'a, c'est le croyant. Par contre, le kafir, le non-croyant, lui, quand un bien le touche, il oublie que ça peut être une ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il lui donne et qu'il lui donne et qu'il lui donne et qu'il lui donne. Donc il est heureux de ce qu'il prend comme bien. La richesse, la piscine, les belles voitures, la santé, tout ça. Donc il oublie, miskin, que ça peut être une ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne remercie jamais Allah. Il vit, miskin, dans le matériel. Mais il n'est jamais content. Un jour ou l'autre, même avec sa richesse, il tombe dans les dépressions, il tombe dans le suicide. Et il ne veut pas être content. Même si au début, il pense que c'est vrai, c'est quelqu'un, il a de belles choses. Et quand il est touché par le mal, c'est aussi une vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre avant qu'il parte en enfer. Donc les deux situations, qu'il soit le bien ou le mal, le kafir, le non-croyant, ne les prend pas comme il faut les prendre et comme les prend le croyant, qui, n'importe quel type de situation, il est apaisé. Donc, ya ikhwan, arrêtez de voir le monde avec le prisme d'une expérience que vous avez vécue ou d'une épreuve que vous avez vécue. Et sachez que l'épreuve sera là. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله nous dit dans sourate al-Ankabut. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens croient que ils vont dire nous avons la foi sans qu'ils soient éprouvés. Donc l'épreuve sera là. Et ce n'est pas par rapport à l'épreuve que je mène ma vie. Au contraire, si je subis une injustice, je dois connaître le goût de l'injustice et je dois me déployer toute ma vie pour ne pas répéter l'injustice. Si je subis une épreuve, je dois faire ce qui étonne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Et la chose pour laquelle il a exprimé son étonnement, ajaba bi amri al-mu'min. Étonnement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour amri al-mu'min, pour l'affaire du mu'min, du croyant. Donc, quelle que soit l'épreuve, je dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala et je dois endurer et je dois patienter. Et je dois savoir que des gens beaucoup, 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 beaucoup plus méritants que moi, meilleurs que moi, ont subi des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a tout subi, a vécu tout type d'épreuves, et les prophètes ont vécu tout type d'épreuves. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré en vainqueur à la Mecque, il n'a pas tué ceux qui l'ont massacré, ceux qui l'ont combattu plus de 20 ans. Ceux qui ont tué ses proches, ceux qui ont tué sa famille, ceux qui l'ont affamé, ceux qui l'ont ensanglanté, ceux qui l'ont combattu. Non, au contraire, il a dit de son pire ennemi, « Man dakhala bayta Abi Sufyan, fa huwa amin. » Abu Sufyan, c'était le pire ennemi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'est déployé des années, des années, des années, qui a déployé le monde contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Man dakhala bayta Abi Sufyan, fa huwa amin. » Celui qui entre dans la maison de Abu Sufyan, fa huwa amin, il est en sécurité. Regardez, subhanallah, ce type de comportement. Il a dit à ceux qui l'ont combattu, ceux qui ont exprimé tout type de méchanceté envers lui, il a dit, « Idhabu fa'antum tulaqa. Idhabu fa'antum tulaqa. » Vous pouvez y aller, vous pouvez partir, vous pouvez bouger, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre. « La tatriba alaykum » C'était un verset du Coran de Yusuf alayhi salam, la fameuse réponse de Yusuf, Joseph, par rapport à l'injustice de ses frères. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répété ce verset. « La tathriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum » Pas de reproche envers vous aujourd'hui. « Yaghfirullahu lakum » Allah vous pardonnera, Allah vous pardonne. Donc là, je vois beaucoup de monde qui m'envoie des lettres et on les voit autour de nous et on observe des choses. Et parfois même Shaitan nous insuffle ce type de comportement. C'est que j'ai vécu une mauvaise expérience avec un homme ou une femme ou avec un type ou une personne ou là avec ma famille. Et je regarde le monde avec le prisme de cette chose que j'ai vécue. Man ahassa bi dhulmi la yadhlim. Celui qui a subi l'injustice ne doit pas être injuste. On ne répète pas les injustices. Et on doit enfin finir avec ce type de système de pensée tordu. Beaucoup de monde va devoir revoir son système de pensée. Comment tu réfléchis? Comment tes neurones bougent dans ta cervelle? À un moment donné, il faut se poser et se nettoyer. Là, il y a des virus et des parasites qui ont été inoculés à longueur de vie, à longueur de journée, à longueur de nuit, à longueur de mois. Et il faut commencer à se poser et à se nettoyer tout ça. Et un des plus grands inoculateurs de maladies psychologiques et de dérives et de lunettes mauvaises et de prises d'attaque mauvaises, ce sont les médias. Donc celui qui est trop fragile, déjà celui qui éduque des enfants, doit les éloigner de tout type de médias parasites. Et Dieu sait que plus de 90% des médias, toute forme confondue, toute origine confondue, est pourrie. C'est que de la pourriture. Donc celui qui éduque là, le responsable, le père, la mère, « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati » a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes tous des bergers et vous serez, on vous posera des questions le jour du jugement dernier sur les gens pour lesquels vous, ou les choses pour lesquelles vous êtes responsables. Donc celui qui éduque, l'éducateur, doit éloigner sa famille et ceux qui l'éduquent et les gens pour lesquels il est responsable des médias sataniques ou l'ayyad ou billah. Et celui qui a vécu lui-même dans les médias doit à un moment donné de sa vie se repentir, s'asseoir et commencer à se nettoyer. Et croyez-moi que son chemin est long pour se nettoyer. Parce que là, il y a des systèmes de pensée, tout fait, bien fait, ou l'ayyad ou billah, où il y a eu un endoctrinement, il y a eu un conditionnement total, où on a fini par penser comme les pires pervers qui existent sur Terre. Et parfois même on donne des leçons
de système de pensée tordu à Shaitan lui-même. Des trouvailles dans la pensée que même Shaitan n'a pas pu trouver. Donc, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لما اهتدى اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم اعف عنا وعافنا Osez propager cette vidéo, barakallahu fikum, et aidez-moi dans la propagation des rappels, Allah yajazikum bikhair. 5-10 minutes, tu passes sur la chaîne Loisirs de l'Excellence, tu prends quelques vidéos, tu les postes sur ta page, il y a plus de 410 vidéos, tu les propages sur ta page, celui qui va être guidé suite à cette action sera dans la balance de tes hasanat. Tout ce qu'il fera après sa guidée, après son repentir sincère, sera dans ta balance de tes hasanat. Que veut le peuple? Donc aidez-nous, Allah yajazikum bikhair. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.